Ah, j'étais au bout du portail, elle me klaxonnait et j'arrivais. Tous les jours que le bon Dieu donnait. C'était une fille merveilleuse. Elle me disait, Sonia, t'as besoin de quoi que ce soit, tu fais quoi que ce soit, tu m'appelles. Je crois qu'il n'y en a plus des comme ça. Alors moi, je sais que le jour où j'ai perdu à cette fille, c'est comme si j'avais perdu mon gosse, pareil. Ma fille, combien de fois elle me disait, Sonia, je ne suis pas aimée, personne n'y m'aime. Je lui dis, arrête ton chat, bon Dieu. Moi, je t'aime, c'est déjà pas mal. Eh ben non, elle n'était pas aimée, elle se sentait pas aimée. Vous la trouviez jolie? Oh oui, mais elle a subi je ne sais pas combien d'opérations. Je crois que c'est 28, si je ne me trompe pas. Des fois, je lui disais, comment tu peux avoir là, une poitrine comme ça? Mais là, il faudrait remonter. Elle a manqué d'espoir en elle-même. Elle voulait se faire disparaître. Ève Valois, dite Lolo Ferrari, est morte à Grasse le 5 mars 2000 d'une overdose de médicaments. Elle avait 37 ans. Dès l'annonce de son décès, l'affaire Lolo Ferrari commence. D'abord, le procureur de la République ouvre une instruction pour non-assistance à personne en danger. Puis, monsieur et madame Valois portent plainte contre leur gendre pour abus de faiblesse. Vie extravagante, mort mystérieuse, il semble que tout ce qui touche à Lolo Ferrari n'ait jamais été ni simple ni limpide. Si dans son pays, Lolo Ferrari a surtout été un objet de curiosité, à l'étranger, elle est une star à part entière. Lolo Ferrari, ihr Leben. Dès l'annonce de sa mort, les télévisions allemandes s'emparent de la nouvelle et couvrent l'événement chaque soir pendant un mois, traquant tous ses proches. Et pourtant, elle sera vite oubliée, la blonde explosive, qui rêvait tant de monter les marches du festival comme une vraie star. C'était la période de l'année qu'elle attendait le plus, parce que c'était un moment où elle brillait, où on la regardait. Et c'est vrai que j'étais nostalgique par rapport à ce moment-là, et puis c'est vrai qu'elle m'avait dit on montera les marches ensemble cette année, et puis on n'en a même pas parlé, quoi. Je veux dire, je pensais qu'on allait quand même avoir une petite pensée pour elle, et elle est passée inaperçue, comme toutes les étoiles qui brillent, et puis quand elles brillent plus, eh ben, on les oublie, hein. Comme la plupart des gens en ce moment, ils ont complètement oublié Ève. Je veux dire, on s'acharne sur une affaire, mais c'est pas il ne faut pas penser à l'affaire, il faut penser à Ève, et on n'y pense plus. Il était une fois une petite fille blonde de la Baule que rien ne différenciait de ses camarades. Peut-être seulement plus jolie et plus pétulante que la moyenne. Ève est la seconde d'une famille de 4 enfants, un père ingénieur, une maman professeur de sport. Comment cette gamine, élevée dans une famille aisée où l'on vouvoie ses parents, a pu se transformer en une poupée gonflable, en chair et en os? Quel chemin de traverse la petite Ève a-t-elle dû emprunter pour connaître une si étrange destinée? Nous nous sommes retrouvés dans la même classe en 6e. C'était une jeune élève qui spontanément est venue s'asseoir à côté de moi et je me suis assise à côté d'elle. C'était une attirance réciproque l'une pour l'autre. On se sentait magnétisés l'une à l'autre et voilà comment une superbe amitié et une histoire d'amour entre filles peut commencer. C'est ma deuxième maman. Vous aviez senti que j'étais là ou quoi? Ben, on m'a dit, il y a quelqu'un, j'ai dit, mais c'est elle. Elle, qui ça? Ben là, elle n'était pas refaite.
Alors, faut admirer la cambrure. Hein. Elle est, la cambrure, elle est presque... Elle en est provocante, la cambrure. Mais elle était comme ça. Et ça lui a amené beaucoup de déboires. C'était elle, hein, c'était nature. Hein. La poitrine aussi était nature. Je la connaissais pas, cette photo. Ah bon? Non. Et vous avez vu les belles jambes qu'elle avait? Oui. Ah, elle avait mes jambes. J'ai toujours eu de belles jambes. Elle avait les mêmes jambes. Elle venait le soir, elle avait la réaction d'une fille de son âge, à 15 ans. Elle aimait surtout s'amuser. Il y a une chose qui l'intéressait, il fallait qu'on l'admire. Il fallait qu'on la voie. Pour boire un Coca-Cola, elle avait les verres pendant une heure derrière le bar. Hein. Elle me dit, je préfère me laver les verres derrière le bar pour qu'on me voie, parce qu'on l'avait mis à l'office et elle voulait être vue. Ah ben, je lui dis, écoute, si tu veux les laver derrière le bar, lave-les derrière le bar. Alors là, évidemment, les garçons la regardaient, les jeunes. Elle se trouvait jolie, mais comme beaucoup de jeunes personnes, de femmes, se trouvait bien sûr quelques défauts. Qu'est-ce qu'elle se voyait comme défaut? Les défauts qu'elle se voyait, c'était peut-être qu'elle n'était peut-être pas assez grande, peut-être pas assez blonde, mais elle était superbe de toute façon. Si son corps n'était pas parfait, elle ne pouvait pas être femme à 100%. Et en fait, c'était même pas femme à 100% qu'elle souhaitait être, c'était femme à 200%. Maintenant, elle disait toujours aux télé que je disais qu'elle n'était pas belle. Il y a du vrai, il y a du faux. Il n'y a que moi, j'ai souffert de ce problème de toujours ne pas m'être trouvée belle à tel point que c'était une obsession, même pour dormir, en me disant, mais quand je serai morte, on va me voir, etc. Et je me rappelle une fois, quand elle était beaucoup plus grande, je l'avais amenée chez un psychiatre qui habite tout près, là. Et il m'avait dit, votre fille n'a rien à faire ici. De toute façon, c'est la même que vous, vous êtes les deux mêmes. Et ça, c'était vrai, c'était incroyable. L'ambiance familiale était comment? Elle avait quel genre de rapport avec sa mère, avec son père, avec ses frères, ses sœurs? Écoutez, moi, je trouvais que son ambiance était superbe. À chaque fois que j'allais chez elle, je me sentais très à l'aise. J'ai toujours été très bien accueillie par ses parents, et notamment sa mère, qui reste une très grande amie pour moi. Ambiance chaleureuse peut-être, mais le parcours singulier d'Ève va finir par ronger sa mère. Je suis quelqu'un de très très dur, qui ne prend pas les enfants dans les bras, qu'il ne les embrasse pas. Et mon amour, il est tout en dévouement. Je crois qu'il y avait une grande inquiétude. Et je sais aujourd'hui que j'ai transmis l'inquiétude. Une de mes filles qui me tenait toujours par la robe, elle tournait comme ça, elle tournait. Et puis, même si je faisais n'importe quoi, partout où j'allais, même aux toilettes. Et ça voulait dire, en fait, c'est un lien qu'elle créait, parce que moi, je ne le créais pas. Mais je ne savais pas. Même, je me rappelle, petit, il mangeait à part, il ne mangeait pas à notre table. J'étais dure, très dure, mais je croyais que c'était ça, l'éducation d'un enfant, des distances. Mais personne ne peut me reprocher de ne pas avoir d'amour. Mais ça manquait, ça manquait. Elle avait quel genre de contact elle-même avec sa maman? Est-ce que, comme souvent les filles, des contacts un peu difficiles, on en a tous avec, c'est jamais facile, les liens mère-fille, ou est-ce que c'était lisse? Il y avait des moments de, je ne dirais pas de tension, mais effectivement des relations, mais qui étaient très très fortes, des relations très fortes où effectivement c'était, il y avait beaucoup d'émotions dans cette relation et il y avait un immense partage d'amour, parce qu'en fait la relation qui liait cette fille à cette mère, cette maman, c'était avant tout l'amour. Une femme psychiatre encore à qui je l'amenais m'a dit, bah écoutez, et un mari. Et c'est vrai, elle voulait être prise en charge. Ses parents l'assumaient, elle aimait. Elle ne voulait pas travailler. Donc je pense qu'elle aurait été très bien dans un foyer. Et à ce moment-là, j'ai eu des demandes en mariage. Tout bascule en février 1986. Ève reçoit un coup de fil d'un inconnu. Il dit avoir entendu parler d'elle et désire faire sa connaissance au plus vite. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai entendu ce que vous avez dit. Ben, écoutez, pourquoi pas, déplacez-vous, venez voir Ève. Puis il venait jamais. En fait, la raison, c'est qu'il n'avait pas de voiture, il n'avait rien. Et alors, il a fini par venir, et puis, oh, il parlait. Le beau parleur fait miroiter aux Valois un avenir radieux pour Ève. Les parents se méfient, mais pourtant se laissent amadouer.
puis 8 jours après, je reçois un coup de fil. Ce monsieur voulait 300 000 francs pour monter une société pour rêve. Je suis à la fois méfiante et pas quand c'est pour mes enfants. Non, non, non. Bon, ben, j'ai fait le chèque, là. Et après, très vite, il a fait une cérémonie très vite, en novembre, je crois, je ne sais pas bien la date. Donc, il a fait un mariage vite fait, vite fait. Il n'avait pas de témoin, même s'il connaissait personne. Il a pris deux témoins de la mairie. Et puis, déjà, il y avait la boucle. C'était enfilé, déjà. La boucle et, ben, la boucle. Le piège, notre piège. J'ai perdu sa trace quelques années, les premières années de son mariage. Effectivement, c'est une période où effectivement nous n'avions aucun contact. Je ne savais pas où elle était. Je ne savais pas. Le couple s'installe à Grasse, dans une maison achetée à crédit par les Valois. Ève pose pour des photos de charme, tourne dans des films pornographiques. Les relations avec le voisinage se tendent. Quand on l'a connue, c'était une femme superbe, bon, qui avait des problèmes psychologiques, qui avait des crises d'angoisse, qui hurlait, qu'on essayait de consoler comme on pouvait, qui était très agressive. Et puis après, ça s'est calmé, elle faisait ses chirurgies, elle s'était donné un genre, donc elle se calmait un peu. Can I pour you more champagne? Oui. Après, elle a fait ses films dehors, alors on s'accrochait sans arrêt. Vous voulez dire des films pornographiques ? Un petit peu chaud, oui. Et comme bon, j'ai des enfants à la maison, c'était gênant de voir les gens à poil dehors, faisant leurs exhibitions devant les petits. Hein. Il y en a deux à qui j'en veux beaucoup, c'est celui qui lui a mis les implants, le chirurgien. Parce que faire ça à une femme, c'est la pire des choses. Et que lui, il les laissait faire, alors ça, c'est encore pire. Est-ce que c'était son désir au départ? Ce que j'essaie de savoir, si c'était... Si la bouche, oui, elle avait toujours dit qu'elle avait une petite bouche de poupée, oui, puis oui, certainement. Les seins, je dis pas non, mais... Peut-être, mais une fois... Elle ne l'avait jamais dit, en tout cas. Non. Non. Votre compagnon vous a poussé vers cette opération? Disons que... Vous dites que c'était mon fantasme, c'était non, le pas du tout, non, c'est le mien, non, c'est le mien, non, 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 puisque je l'ai fait à 20 ans, donc j'ai 25 ans maintenant. Mais vous aviez l'impression que les hommes attendaient de vous, vous avez... Ah non, c'est pas pour les hommes, c'est pour moi. Avec un acharnement qui ne connaîtra plus de limites, Lolo Ferrari s'attaque à son visage et à ses seins. D'abord la bouche retroussée, puis le nez affiné, mais aussi les pommettes, les yeux, le front. Mais le plus spectaculaire demeure son 130F de tour de poitrine, résultat d'abord d'implants de silicone, puis de poches remplies de sérum physiologique. Et 28 opérations plus tard, l'opération, je dirais, de construction de la prothèse a duré un an parce qu'il a fallu d'abord trouver le monsieur qui faisait ce moule en métal. Et il y avait donc cet homme-là qui faisait donc des Boeing, effectivement. Là, j'ai piqué une colère. J'ai dit, vous avez touché au sein de ma fille qui avait des seins si magnifiques, alors là, je vous pardonnerai jamais. Et là, ça a été une révolte. Puis après, j'ai encaissé, comme j'allais tout encaisser. Puis je me suis dit, après... J'arrivais toujours à me dire, après tout, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. C'est sûr qu'en ayant fait cette poitrine, maintenant, ça me propulse énormément. Ça mais qu'elle me propulse énormément. La Lolomania, florilège, no comment. Fan apeuré ou médusé, Lolo Ferrari intrigue et séduit. Je
très bien avoir une photo dédicacée d'elle, quoi. Car ça ferait très plaisir aux collègues de l'armée, quoi. Vraiment, je me sens pas à la hauteur d'aller coucher avec elle. Je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas à la hauteur. Moi, je sais pas de le dire, je dis en face, hein, je me sens pas à la hauteur. Et je suis pas le seul. Tout le monde va dire oui, il se sent à la hauteur. Mais si elle lui dit en face à face, c'est pas vrai. Il se sentira pas à la hauteur. Elle est féminine à l'extrême. Mmh. Elle a des ongles immenses, une bouche énorme. Et j'ai vu qu'elle était fragile, qu'elle était un peu timide même, qu'elle avait du mal à s'exprimer. Elle était toute simple. Alors Fabrice, ce n'est pas votre anniversaire, mais voici tout de même Lolo, rien que pour vous. Cadeau. Cadeau. Je te remercie Fabrice pour l'amour que tu me portes et au revoir et à bientôt. Kiff. Bravo, bravo. Vous disiez Fabrice. Je suis super content. Un procès intenté par le fabricant de voitures Ferrari pour usurpation de nom la rend célèbre. La belle multiplie les interviews et les spectacles. Décidément, la Lolomania est une affaire rentable. Mais tu vas sortir, comment dire, une ligne de vêtements. Oui, c'est ça, une ligne de vêtements, une ligne de chaussures aussi. Oui. Et du parfum au mois de mars prochain. Voilà. Ses voisins et amis rivalisent de projets autour de la star, devenue entre-temps Miss Europe Grossin. Nous avions l'intention de monter une ligne de sous-vêtements féminins Eve. Eve, ça s'appellerait Eve, oui. Non, ça serait la ligne de sous-vêtements que Lolo Ferrari aurait choisie, mais je pense qu'on l'aurait intitulée Eve. On voulait prendre une brasserie sur Cannes, et puis ça s'est pas fait. On voulait faire genre un restaurant, enfin plutôt une brasserie avec restaurant le soir et petit spectacle. Mais bon, ensuite ça s'est tombé à l'eau et on n'a jamais pu le faire. Voilà. Son mari, je l'ai vu, c'est lui qui s'est déplacé, qui est venu et il m'a expliqué que c'était pas possible, ou alors il fallait que j'achète le nom Lolo Ferrari. Enfin, c'était pas possible. Il était trop gourmand. L'argent, elle ne le touchait pas elle-même. C'était un business. C'était qui touchait cet argent, je ne sais pas. On n'en voyait pas véritablement la couleur de l'extérieur, car il n'y avait pas visiblement de signe extérieur de richesse. En revanche, il y avait déjà un site internet et il y avait des cachets qui étaient en Deutsche Mark ou autre, suite à des représentations, des shows télévisés, etc. Et il y avait effectivement beaucoup d'argent en jeu. Je crois qu'il y a 7 sites internet Lolo Ferrari. Il y en a 7, je crois. Et comme le phénomène Lolo bat son plein, l'artiste et son mari manager se lancent dans la fabrication de nouvelles Silicon Girls. Et il faut évidemment qu'elles aient une poitrine importante et surtout opérées et siliconées. Les candidates se succèdent et c'est enfin le tour de Tina et Sandra, la fausse brune et la vraie rousse. Comme Lolo Ferrari fait partie des Silicon Girls et qu'elle a une poitrine refaite et qui est très très belle, ça va être pareil pour nous. On va se la faire refaire et ça va être génial parce qu'en plus, ça fait longtemps qu'on en voulait une. Donc ça tombe bien, c'est parti et on va le faire. Oui, on gonfle. Tina et Sandra se rendent en toute confiance chez le chirurgien de Lolo Ferrari. Alors, toujours motivé. L'inquiétude, bon, on l'a toujours avant, mais quand on a le résultat, on pense surtout au résultat, on ne pense pas à ce qui se passe entre-temps. 3 ans plus tard, toujours ni riche ni célèbre, Tina et Sandra ont, en quelque sorte, déchanté. Je pensais avoir une chance en rencontrant Lolo Ferrari, donc j'ai été sa choriste, et donc je pensais que
par ce biais, peut-être, j'arriverai à rentrer dans le milieu et me faire des connaissances et essayer de faire ma propre carrière. Elle avait envie de rire avec nous. Donc elle venait dans notre chambre pour faire un peu le pitre, dire « ça va les filles, tout va bien, vous inquiétez pas, ça va bien se passer ce soir, vous avez les chocottes, hein, n'est-ce pas ?» Elle aimait bien ressentir ça chez nous parce qu'elle disait « c'est bien les filles, ça prouve que vous êtes professionnelles et que vous aimez ce que vous faites. » Eric Vigne était donc le producteur, le manager, comment il appelle ça, le chef d'orchestre. Oui. Et il vous a proposé un contrat que vous n'avez ni l'une ni l'autre signé. Non. Pourquoi ? Parce qu'il fallait continuellement avoir une poitrine assez forte, 105 D minimum. Et étant donné qu'après une opération, la peau se rétracte, la taille n'est plus la même. Donc il aurait fallu qu'on repasse à nouveau, se refaire opérer. Et donc on n'était pas tellement d'accord. Faire quoi ? Un intro. Le poids, c'est ce qui a dû nous causer quelques douleurs, parce que bon, c'est un peu lourd à porter sur le cœur et autre chose. Donc moi, j'ai décidé au plus vite de me les faire enlever. Et Christina, il n'y a pas très longtemps, a fait la même chose. On n'était pas juste là pour montrer qu'on avait une poitrine et danser sur scène et chanter en playback. Non. On a vraiment voulu le prouver. Et ça vous a apporté quelque chose sur le plan professionnel ? Non, au contraire, ça m'a fermé des portes. T'as mal tapé. Il n'y avait pas Lolo Ferrari qui habitait dans le coin ? Ah oui, plus cher à la... Plus cher à la... Mais elle n'est jamais venue nous voir jouer au boule. On l'aurait embauché hein, pour jouer. Ouais. Alors, pourquoi pas ? 2, 4, 20, 30, 40. Chez elle, la blonde pulpeuse aux tenues extravagantes est une figure locale totalement intégrée à la vie du coin. Dès l'ouverture, 7h, 7h30, Lolo était là. Et elle restait jusqu'à midi. Ben, vers 11h, elle partait, elle allait chez son coiffeur, elle restait à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle passait chercher sa copine Sonia, et ensuite elle mangeait là tous les midis. Elle venait vous chercher pourquoi ? Oh, pour faire les courses, pour sortir au restaurant, pour. Elle sortait, elle me disait Sonia, elle m'appelait au téléphone, elle me disait Sonia, ce soir on sort, hein ? Allez hop ! Tu t'en bats, hein? J'ai connu Ève, on s'est croisés dans les rayons. Elle a vu un ensemble que je portais. Et c'est là qu'on a commencé à dialoguer. Ah, votre ensemble me plaît, vous l'avez acheté. Et c'est là que je lui ai dit, ben, je l'ai acheté chez Roland. Ça va? Salut, ça va? Bien. Ça va et toi? Et là où régulièrement, bon, ben, je vais acheter des petits ensembles qui n'est pas trop cher. Et Ève venait régulièrement aussi s'habiller là-bas et puis dialoguer avec ces gens. En quoi elle était tellement attachante et pourquoi vous étiez amie totalement avec elle ? Avec cette fille qui ne vous ressemblait pas. C'est vrai que c'est surprenant parce que, bon, tu me mettais à côté d'Ève, je suis totalement l'opposé, quoi. Je veux dire, on sortait ensemble, bon, on ne voyait qu'Ève, on ne me voyait pas. Elle disait tout le temps à son mari, mais tu vois, pour une fois que j'ai des copines bien, qui ne sont pas intéressées par mon argent, ou etc., qui sont juste là pour moi. Elle était très très fière de ça et elle nous présentait partout. Dès qu'elle allait quelque part, il fallait dire « c'est mes copines, Christine et Sophie, ce sont mes amis ». Sur toutes les photos émerge l'ombre de son mentor. Le mari de Lolo Ferrari est son premier admirateur. Un admirateur totalement fasciné par ce physique en constante mutation. Ce couple insolite, relation singulière, captive et dérange. Eric s'occupait beaucoup d'elle, quoi. Je veux dire, c'est lui qui gérait tout. Elle se laissait vivre, en quelque sorte. C'est lui qui gérait sa carrière. Il s'en occupait beaucoup, oui, mais il s'en occupait même un peu trop. Parce que, effectivement, il lui rappelait qu'il fallait qu'elle prenne ses médicaments, etc. Donc,
passer au cas où elle aurait oublié. Donc, quelque part, oui, il s'en occupait. Est-ce que c'était la meilleure façon de s'en occuper maintenant? Elle était venue me voir un soir à la maison pour que je lui essaie une robe. Il était 20h et elle a un malaise subitement dans les escaliers. Elle se met à chanceler. Je dis, mais Lolo, tu es en hypo là, t'as pas mangé? Elle me dit, non, je crois que j'ai faim. Alors je me précipite lui faire une tartine de pain. Et tout de suite son mari me dit, non, faut pas qu'elle mange trop, faut pas qu'elle grossisse. Eric? Bébé! L'hôtel est le lieu de prédilection d'Ève et d'Eric. Mais c'est aussi là que Lolo Ferrari donne d'autres rendez-vous. Des rendez-vous, disons, câlins. Entrée en scène d'un nouveau personnage, l'énigmatique Antoine, dit Monsieur A, introuvable depuis la mort de la vedette. Bon, Ève, c'est vrai qu'elle avait, des amants. Elle avait Monsieur A, qu'elle voyait régulièrement pendant des années. Cet inspecteur de police, ami d'Eric, est l'amant en titre de Lolo Ferrari. Il deviendra sa grande passion. J'adore Antoine pour la vie. Love, Lolo Ferrari. Ce nouveau soupirant lui fait miroiter des rêves de gloire et de richesse. Lui aussi. Elle aimait en crever, mais en crever parce que je l'ai vue. Puis en fait, il voulait la faire travailler, c'est pas caché, l'amener en Amérique, faire travailler dans les striptease et tout, alors c'était pire. Il faut vous assurer que c'était pire. Son fils était dans les parfums, il avait des connaissances, il devait faire des sous-vêtements au nom de Lolo Ferrari et puis donner 10% à Vigne. Mais Vigne m'en avait parlé aussi, il était au courant. De toute façon, c'était une femme objet. Il n'y a pas que ces deux hommes, elle a été l'objet de plein de personnes. Gamine espiègle, jeune fille obsédée par le regard des autres, au fil des années, Lolo Ferrari devient un personnage extravagant, prisonnière d'une image qu'elle a elle-même façonnée. J'adore les anesthésies. Je suis folle d'anesthésie. D'ailleurs, je voulais être médecin anesthésiste. Voilà. Mais pour le nez, on ne vous a pas endormi? La première fois, non. Vous avez dû souffrir le martyre. Énormément, oui. C'est pour ça que je ne ferai plus. Mais quelle idée, pourquoi ne pas se faire endormir? Parce que j'ai l'impression que quand je me fais pas endormir, je mérite encore plus ce que je veux. Ah d'accord. C'est assez spécial. Je suis assez spéciale dans ma tête. Sans doute, mais... On voit bien déjà avec mon physique que je suis spéciale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Ève, sur 20 affirmations, on avait peut-être 2 de juste. Hein. Vous êtes mariée? Non. Vous avez un petit ami? De temps en temps, oui. Bon. Lolo, on comprend pourquoi. Ferrari, vous courez vite ou... Ferrari, parce que... Non, c'est pas parce que je cours vite. C'est parce que c'est le nom de mon grand-père, voilà. Ah, très bien. Elle disait toujours que sa mère était psychiatre pour enfants. Et moi, j'ai appris, j'ai été très étonnée. Sa mère est professeure de tennis. On n'a rien à voir avec le milieu de la psychothérapie, quoi. Bon, peut-être que si c'était... c'était encore quelque chose pour promouvoir sa carrière, je sais pas. Ça faisait peut-être bien de dire, tiens, elle a une mère qui est psychiatre pour enfants et cette femme-là n'a pas été capable de gérer sa propre enfant. Comment c'est possible? Mais Ève me disait toujours, maman, j'ai eu un choc, maman, j'ai eu un choc. Maman, je suis tombée. Je me demande si on allait à la plage nudiste ou s'il n'y a pas eu des attouchements qu'elle a posé me dire, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit. Elle m'a dit depuis l'âge de 9 ans qu'elle avait des problèmes, qu'elle n'était pas bien dans sa peau, que ça n'allait pas. Que... Et pourquoi depuis l'âge de 9 ans précisément? Je ne sais pas. Alors donc là... Il s'est passé quelque chose à 9 ans, c'est ça? Je sais qu'il y avait un conflit entre sa maman. Il y avait une histoire aussi entre son papa. Je crois qu'elle a dû perdre quelqu'un aussi. Elle me parlait de son papa, de sa maman aussi. Elle portait une adoration pour son père. Joyeux anniversaire, mon papa d'amour, pour l'an 2000. Je vous aime de tout mon cœur. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir élevé si gentiment. Vous êtes ma vie, mon sang, mon cœur qui bat, tout simplement. Je vous idolâtre. Votre bébé, Ève. Elle me dit un jour, c'est l'homme de ma vie, c'est mon père. C'est mon père. Son père était venu une fois au restaurant. Il avait du mal à assumer.
Mais là, il m'en parlait souvent, il me disait que j'avais du mal à la regarder. Trop d'opérations, de médicaments, la chute est amorcée. Lolo Ferrari tient à peine debout. On a eu peur, je suis tombée un petit peu, mais enfin, c'est pas très beau. Je suis venue chanter tout de suite après. Elle avait toujours dans son sac ses putains de médicaments que je lui disais, tu t'arrêtes de... Tu ne vas pas... N'importe quoi, elle prenait comme cachet. N'importe quoi. Moi, elle est arrivée des fois à la maison en me disant, tu me donnes 5 exomies. Je lui dis, non, je te donne rien du tout. Dès qu'elle était angoissée, dès qu'elle avait quelque chose, elle avait une petite fiole dans son sac avec plusieurs médicaments qu'elle ingurgitait d'un seul coup avec du coca. Et j'ai dû faire remarque, je lui dis, mais tu prends tous ces médicaments, mais ça va te faire du mal. Ah, elle m'a dit, oh, t'inquiète pas, moi j'en prends 10 à 18 médicaments par jour, ça ne fait rien du tout, il me les faut. T'inquiète pas, je suis habituée. Mais elle était toujours en détresse, elle avait envie de mourir 8 fois par jour. Des fois, elle me disait, je vais aller m'allonger au bord de la route pour que quelqu'un s'arrête. Voilà, la phrase, pour que quelqu'un s'arrête. Et je lui disais, mais vas-y, et puis après, qu'est-ce que tu feras? Tu seras en psychiatrie, on t'enlèvera tout, et puis tu brilleras plus. T'as raison, et puis elle repartait. Fragile, plusieurs personnalités, beaucoup d'extravagance. Donc, par moments, ça m'allait très mal, et par moments, c'était... la folie, par moments elle se requinquait dans son univers de bébé, on aurait dit un petit bébé, puis par moments bon, bah, c'était une femme. Donc c'est vrai qu'on avait du mal à la cibler. Déjà c'était une fille qui était phobique, elle avait très peur de l'avion, de la foule, du mouvement. Donc elle perdait ses repères un peu comme ça et elle était souvent terrorisée de partir en voyage. Bon, je sais qu'elle s'est jetée d'une voiture, qu'elle s'est jetée de la fenêtre de sa chambre. À mon avis, c'était toujours des appels au secours. Sa vie était peut-être identique à celle de Marilyn. On peut faire la comparaison. Moi, des fois, j'y pense, je me dis, mais c'est exactement l'histoire de Marilyn. Et pourtant, elle continue à se produire à l'étranger et joue même son propre rôle dans un film allemand consacré entièrement à sa vie. Un film où réalité et fiction se mêlent étrangement. La première fois, nous avons l'occasion de nous dire des choses. Lolo. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est avec toi? I hate you. Fulcan. I want to sing, that's all. Lolo, tu vas chanter. Tu vas chanter. Vous le regrettez? Lolo. Les derniers temps, Lolo Ferrari erre en ville. Elle n'a plus foi en sa propre étoile. Sa vie s'éparpille. On allait régulièrement dans ce bar et c'était pas bien pour elle parce qu'on se foutait d'elle. C'était vraiment la rigolade là-dedans. Elle avait besoin d'aller dans ces bars. Des fois, elle me faisait des scènes un petit peu en me disant « Oui, je t'ai attendu, t'es pas venu. » Je disais « Mais attends, moi j'ai des enfants, j'ai une vie et les bars, moi ça m'intéresse pas. Tu veux me voir, viens à la maison. » Je veux dire, comme de toute façon, je préférais Eve à la maison que Eve dans un bar parce que Eve dans un bar, c'était totalement différent. Elle était comment dans un bar? Elle était excentrique, elle était exubérante, elle parlait fort, elle avait toujours besoin qu'on la regarde. Quoi. Je veux dire, c'était le regard des autres qui l'aidait à vivre. Lolo n'inspire que des regards apitoyés ou moqueurs. Ceux qui l'aiment souffrent pour elle. Quand elle était venue, là, je suis sortie avec elle, il faut aller deux fois chez le coiffeur. Pourtant, il y en a qui suivaient, qui disaient. Mais j'ai dit, puis je voulais pas lui faire de mal, j'ai dit, parce que t'es belle, parce que t'as dit, tu vois, c'est le succès, t'es connue. Je le transforme autrement, c'est pas ce que je pensais. Hein. Et alors quand on était revenus, quand on sortait, elle m'a dit, maman, j'ai bien vu que vous aviez honte de moi. Ah, j'ai dit oui ma fille, j'ai honte de l'image. Mais t'as vu s'il faut que je t'aime pour le faire? Tu te rends compte comment il faut que je t'aime?
Parce que tu comprends, mais ce qui me dérange, c'est qu'on pense mal de toi. Et derrière ça, c'est pas toi. Je voudrais qu'on voit qui tu es de beau. C'est ça qui me dérange. Une croisière avec des dizaines de Lolo Ferrari. De jeunes américaines qui rêvent d'amour, de gloire et de beauté. Et se métamorphosent en objet de dérision sous les flashs de clients amateurs. Des pin-up d'un nouveau genre, avec la complicité, il faut bien le dire, de la chirurgie de pointe. You know, I did what technology has made available to me. I went a little larger, and I'm sure, speaking of Marilyn, she would have too, had the opportunity been there. Ça te fait qu'aux États-Unis en général. Mais pourtant, vous l'avez non, en France. Non, c'est pas. Effectivement, elle dit aux États-Unis, c'est le pays des extravagances dans tout. Quelle est votre opinion sur les chirurgiens ou les médecins qui acceptent de faire ce type d'opération? Je l'ai dit pendant l'émission, elle est inadmissible. Voilà, elle est inadmissible. C'est pas penser au bonheur des gens. Penser au bonheur des gens, c'est la garder peut-être 2 heures en conversation, la convaincre à voir quelqu'un et non pas accéder à ses besoins de transformisme. J'ai refait mon visage, j'ai refait mon corps, enfin, mes seins, et maintenant j'ai plus rien à refaire et je suis très très malheureuse. Et je me dis, il va falloir que je refasse quelque chose parce que je me sens vraiment très très mal des fois. J'ai des petits moments de cafard et je me dis, je n'ai plus rien à refaire. Dans le cas de Lolo Ferrari, ce n'est pas une disgrâce physique, puisqu'elle était très belle avant, qui entraînait un problème psychologique. C'est que Lolo Ferrari avait un problème psychologique, et quelle que soit l'opération qu'on puisse faire chez Lolo Ferrari et qu'on ait pu faire chez Lolo Ferrari, on ne lui a pas apporté le bonheur. Donc j'aurais dit non. Oui, je me détruis. Je me détruis plus jeune. Je me détruis, oui, mais j'en ai besoin pour vivre. Les portes, un temps entrouvertes, se sont brutalement refermées. Les propositions n'affluent plus. Le travail se fait de plus en plus rare. Dans 3 ans, Lolo Ferrari aura 40 ans. Est-il encore temps de faire marche arrière et d'effacer Lolo pour redevenir Ève? Elle m'a demandé souvent, même devant lui, elle m'a demandé de lui trouver quelqu'un, même devant lui. Hein. Au début, elle me disait, trouvez-moi un milliardaire. Et puis après, elle me disait, non, n'importe qui. Dans l'état où elle était, c'est pareil, j'étais encore piégée. Et elle me disait, et ça je le jure, sa tête de ma fille, maman, je veux redevenir, j'ai une lettre d'ailleurs où elle dit qu'elle ne voulait pas être comme ça, elle dit, maman, je veux diminuer mes seins, je veux un enfant, je veux pas que mon papa meure sans avoir un enfant. Les rapports entre les beaux-parents et leurs gendres ne font que se détériorer, mais malgré tout, les Valois s'endettent pour leur fille, au point d'être aujourd'hui totalement démunis. On a laissé notre retraite pendant des années, on a loué la maison, on laissait même les locations, puis après, mais nous... Il ne pouvait plus manger, hein. Alors on loue à Noël, on loue à Pâques, mais ça j'ai donné tout ça à mon avocat, il a toutes les preuves. Puis ça a été, c'était ce, quand on a été sur écoute. Et vous vivez où alors vous-même? On vivait en tente. Dans une tente? À la fin on avait réussi à acheter une caravane de 1000 francs, mais comme c'était trop cher, on s'arrangeait toujours pour être en dehors des campings, parce que c'était encore trop cher. Je sous-signais Valois Ève, née le 9 février 1963 à Clermont-Ferrand, épouse Vignéric, reconnaît avoir reçu de mes parents pour l'entretien du ménage Vignéric Valois-Ève la somme globale d'environ 1 200 000 francs sous forme de chèques de 320 000 francs, de 40 000 francs, 30 000, 20 000, 8 000 x fois, de 5 000 francs x fois, etc., etc. Il nous reste à devoir, nous, le couple Vigne-Valois, ayant bénéficié de cet argent en avance, notre couple étant en difficulté, mon mari ne travaillant pas et étant sans profession, la somme de 700 000 francs à ce jour, 10-07-1996, et ce, afin de ne pas léser mon frère et mes sœurs. La dernière semaine, quand elle est partie à Paris, elle est revenue, quand elle est revenue, c'est vrai qu'elle avait un petit peu changé, elle était moins speed, elle était un peu plus renfermée, elle restait moins. Le vendredi et le samedi, les deux derniers jours, je l'ai pas vue du tout, elle n'est même pas venue, alors que normalement elle était là tous les jours. Et c'est vrai qu'elle était un petit peu déprimée, elle n'était pas comme avant. Quand elle est venue au magasin, j'ai été étonnée de la voir au magasin. Parce que je savais qu'elle avait peur de tout ce qui était morbide, elle en avait peur.
Et quand je l'ai vue arriver au magasin, j'étais surprise. J'ai dit, tiens. Alors, elle a affronté, en fait. Et puis, elle m'a regardée, elle m'a dit, après tout, ça fait pas peur. Elle me dit, moi, je veux un cercueil comme les bébés blancs. Elle me dit, puis j'aimerais aussi qu'on mette ma robe, qu'on mette mes lettres d'amour. Et je dis, tu sais, pour organiser tout ça, il faut que tu le laisses par écrit pour qu'on puisse respecter tout ça. Alors, je lui ai exposé le contrat. Je lui ai dit comment ça se présentait. Je lui ai dit, mais avant de t'engager à quoi que ce soit, réfléchis bien, parle-en à ton époux. Et puis après, tu viendras. Quand tu seras décidé, tu viendras et on fera le nécessaire. Elle m'a dit, je viendrai le lundi pour te donner la réponse. Je lui ai dit, aucun problème. De toute façon, tu as tout le temps. Voilà, quoi. Elle a dit, je viendrai le lundi, donc elle pensait à tout ça. Le vendredi qui a précédé sa mort, et vous n'avez pas du tout eu l'impression qu'elle préméditait tout ça? Ah non, pas du tout. Très fatiguée le vendredi quand je l'ai vue. Elle avait ses bronchites en plus. Et puis la dernière image que j'ai d'elle, elle a dit, bon, je rentre me reposer à la maison. Et puis son mari était là, il a dit, bon, je la suis parce qu'elle serait capable de prendre n'importe quoi. Et c'est la dernière image que j'ai d'elle. Le samedi, Lolo Ferrari avait ses habitudes dans un salon de thé. Le lendemain, quand elle est venue, elle m'a dit, ça y est, j'ai pris des médicaments. Mais bon, quand elle est arrivée, comme elle était tremblante et tout, j'ai dit, écoute, assieds-toi, il y a quelque chose qui ne va pas et tout. Elle me dit, non, ce soir, c'est bien parce que je vais voir un copain et tout. Elle était heureuse comme tout. Et elle m'a dit, oui, j'ai pris la boîte de médicaments en entier, c'était un antibiotique, pour guérir plus vite. Que s'est-il passé dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mars 2000? Lolo Ferrari est-elle sortie avec Monsieur A? A-t-elle passé la soirée avec son mari ou s'est-elle couchée pour soigner son angine? Monsieur Vigne est monté dans sa chambre le matin vers 8 heures pour fermer les volets. Elle dormait comme un bébé. Elle ne serait pas morte à ce moment-là, il n'aurait rien vu? Non, pour lui, il n'aurait rien vu. Elle dormait comme un bébé, il est venu pour fermer les volets, qui étaient légèrement entrouverts, et la couvrir. Et à 6 heures, le téléphone a sonné. C'était lui. Alors je disais, mais Maëve, je ne reconnais pas ta voix, Maëve. Mais calme-toi, Maëve. Il avait pris la voix de Ève, je vous jure. Exprès, vous croyez, ou par... Non, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin, Ève ne signait plus Ève, mais Ève Eric. Il était rentré dans sa tête, dans son corps. Et là, il a pris la voix de Ève. Mais je dis, Maëve, mais je ne peux pas comprendre. Des fois, elle était en pleurs. Mais calme-toi, mon lapin, mais calme-toi. Je ne comprends pas, Maëve. J'entendais des fois, c'est Eric. Je disais, mais Ève, quoi? Mais tu te calmes, mais je... Puis je pleurais, Puis c'est Eric. Alors, à un moment donné, je dis, quoi, Eric? Mais il dit, c'est moi, Eric? C'est quoi, Eric? Mais c'est Ève. Non, c'est... Et il me dit, mais elle est partie, oh! Mais je dis, c'est pas grave, elle va revenir. Mais non, mais elle est partie, mais il dit, elle va revenir. C'est rien. Puis en même temps, j'étais inquiète parce que je me disais, quand elle est là, je sais moins où elle est. J'étais inquiète, mais elle va revenir. Il me dit, mais elle est morte. Encore aujourd'hui, le produit Lolo Ferrari continue à se vendre grâce aux efforts de certains amis et de son mari. Là, il veut absolument enlever tous les sites porno, il veut enlever tous les sites qui ont existé et ne plus en faire qu'un, mais un site bien, quoi. Non pas un site porno qui n'intéresse qu'une catégorie de personnes, finalement. Il veut revaloriser la mémoire de sa femme. Je pense que Eric n'est pas contre de lancer quand même une ligne de vêtements, les vêtements qu'Ève portait, les vêtements qu'Ève aimait. Je pense que de toute façon, une ligne de vêtements, si pas de sous-vêtements, de vêtements, on va la faire. Eric Vigne refuse toute interview avec les télévisions françaises. Allô. Lolo Ferrari pressentait-elle une fin proche? Se sentait-elle rejetée, flouée, déjà remplacée?
Deux mois après sa mort, une jeune Anglaise, 130 de tour de poitrine, arrive à Hambourg, où elle est présentée comme un paquet cadeau au mari de Lolo Ferrari. Ashley Bond, excuse me, I present you now the husband of Lolo Ferrari. Okay. It's Mr. Eric Vigneux. Hello. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oubliez les temps des malentendus et les temps perdus, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups des pourquoi. Au cœur du bonheur, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai